Simenon, ça me rappelle évidemment des souvenirs de lecture, parce qu'on grandit avec Simenon comme on grandit avec Agatha Christie hein, quand on est jeune. Et ça correspond à une période de la vie où on n'a même pas envie d'aller se coucher, parce que en fait, on s'endort toujours avec le livre. Donc je me souviens, moi, c'était quand j'étais jeune, c'était soit un Simenon, soit un Agatha Christie. Ça me rappelle vraiment un moment vécu à la brigade criminelle de l'ancien quai des Orfèvres, qui maintenant a déménagé. C'est que eux, les policiers eux-mêmes, ils parlent du bureau Maigret. Et j'ai trouvé ça tellement beau de me dire que dans un lieu qui est marqué par un réel à vif, avec toutes les affaires les plus sordides, vu que la crime, elle récolte vraiment des affaires de criminalité les plus glauques. Et de me dire, ben voilà, dans ce milieu très réel, où on parle des faits, uniquement des faits, d'une forme d'objectivité, eh bien finalement, c'est la littérature qui va marquer la topographie, la topologie, parce qu'il y a ce nom littéraire, en fait, qui marque une pièce. C'est quand même fou, hein. Donc il disait, ben voilà, ça c'est le bureau Maigret.